présente l'écho des Margalides numéro 5. Ce week-end, c'est les élections, c'est le premier tour, donc n'oubliez pas d'aller voter. D'une. On nous parle de vote utile, nous on aimerait vous dire plutôt de voter utile en votant pour vos convictions et ce qui vous tient à cœur. On aurait voulu vous parler de la transition écologique et des programmes, etc. Ça apparaît rarement, alors à vous de vous faire votre propre idée. J'adore. Moi je vais vous parler plutôt d'agitateur. On a un café qui se produira le 5 mai à 20h30, toujours à la Maison de la Terre à Poucharamé. Alors cette fois-ci, on va vous parler plutôt de la migration des hommes, les migrations humaines. On va avoir un directeur du CADA, Mathias Beaufort, sur Toulouse. On aura aussi des militants du C10 qui luttent contre l'exclusion et pour les solidarités. Nous aurons l'auteur de Gabriella Rome de France, Catherine Monod. Et enfin, nous aurons l'association Sportis, qui met en place des activités pour des réfugiés sur la frontière syrienne. N'oubliez pas, donc le 5 mai, 20h30, à la Maison de la Terre, Poucharamé. L'après-lendemain, il faudra aller voter pour le deuxième tour. Et toi, tu parles trop bien, toi. Elle est trop forte. Donc, pour soutenir l'agitateur, on a quoi ? Un financement participatif. On a un financement participatif sur le site internet Hello Asson. Soutenez l'agitateur Hello Asson. On continue à répondre présent avec la fondation Nicolas Hulot. Alors, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, j'espère que Fred ne vous en voudra pas trop. Tu l'as bravo. Ouais. Merci. Ouais. Ah, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Vite, dépêchez-vous. Voilà, c'est la fin. Fin de l'écho des Margalides numéro 5.